Mes amis, pays a en 2018, année ça, nous connaissons que nous avons dit dans l'émission matin débat que l'année 2018 là, ils sont années qui peuvent être très politiques. Et nous avons dit dans le matin débat, le président Jovenel Moïse vient pour le faire très attention et pour l'année 2018 là. Information qui s'allie. Pas oublier, nous connaissons que Haïti, un bureau qui traitait des affaires haïtiennes. Et tout côté, en République dominicaine, un bureau qui traitait des affaires haïtiennes. En République dominicaine, et un bureau qui traitait affaires haïtiennes en France, tout côté. Eh bien, à Washington, eh bien, il y a plusieurs bureaux qui traitaient questions haïtiennes seulement. Et il y a un pile haïtien, il y a même qui fait office dans le bureau ça. Pas qu'une émission qui écoutait dans le pays, hein, que les États-Unis pas attendaient, pas suivent. Et que ce soit dans l'ambassade d'Haïti, que ce soit dans le bureau qui occupait des affaires haïtiennes et à Washington, que ce soit dans département d'État. Donc, toute émission qui très écoutée, et surtout émission de Lille Tribune, eh bien, les États-Unis, donc, tendez yo, yo suivent yo, yo. Les États-Unis, donc, tendez yo, yo suivent yo, yo copiez yo. Maintenant, débat, nous gantèn nous tout côté, nous gantèn nous tout cas, tout partout. Eh bien, information qui s'allie, c'est que, hier matin, dans l'émission matin débat, l'ambassadeur Michel J. Sisson, qui remet l'aide de créance à président Jovenel Moïse avant hier, arrivé ambassadeur ça, dans le moment ça, c'est pas un hasard. Parce que les États-Unis ont gagné un chargé d'affaires à I, et ils étaient confortables avec le chargé d'affaires là. Eh bien, ça qui passe. Nous sommes jamais dit ici dans matin débat, que dossier qui Philippe l'a parlé tourner sous table là. Nous sommes ça. Il y a une délégation de 10, de 13 personnes. Il y a une délégation de 13 personnes qui a privé très bientôt en Haïti. Il y a 10 qui s'est agendillé avec FBI qui a plat à couvert. Que nous pas j'aime moins. Qui commence à arriver. Il y en a qui déjà sous béton en Haïti. Il y en a 3 qui a privé soit week-end ça ou bien semaine prochaine. 3 officiels des États-Unis qui a privé en Haïti qui a venu porter un message à président Jovenel Moïse. Qui a privé week-end ça ou bien semaine prochaine. Marie-Saint-Tounou, il y a 3 bagailles que y a venu dire à président Jovenel Moïse. Le dossier Petro-Caribé, ici, en un matin débat. Donc, je m'étais toujours dit dans le matin débat que, j'en ai un dossier Petro-Caribé, il peut aller là. Mais quand je pensais que son dossier peut aller fini, j'en que nous, elle peut aller là. Et nous allons retourner sur ça tout à l'heure, parce qu'il faut que nous analysions la démarche du Parlement haïtien, du Sénat haïtien. Le dossier Petro-Caribé, nous songeons hier matin, on a fini l'émission matin débat. Moi, dis-nous que, attendons-nous que nous parlons par gain des arrestations qui fait sous dossier Petro-Caribé. C'est le premier bagage, il a venu parler avec le président Jovenel Moïse, que nous avons toujours dit dans l'émission Matin Débat. Deuxième bagage. Les États-Unis prennent Jovenel Moïse, président de la République, au mot. Suite à sa déclaration faite à Paris, sur les juges, qu'il te dit que les nommés des juges corrompus dans le système judiciaire, c'est grave. Il n'est pas oublié que le ministre est là. Les Nations Unies, sous pression des Haïtiens, sous la pression des Haïtiens, et là il faut quand même donner crédit à Onectakou Eric Jean-Baptiste, retirer troupes onusiennes dans le pays, mais liquider ministre. Ministre là pour le capable
renforcer le système judiciaire là pour gérer la question de justice dans le pays. La déclaration de Jovenel Moïse comme président de la République, il vient renforcer la conviction américaine sur la question de justice là. Mais il vient proposer un plan de réforme de la justice, madame, monsieur, en pays. Parce que le président Jovenel Moïse, à Paris, il dit que l'innommé des juges corrompus dans le système judiciaire là. Qu'on est aux États-Unis après le président Jovenel Moïse au mot, il va mettre pression là pour faire ça au gain pour faire dans la question justice dans le pays. Troisième bagaille, il a vu parler avec le président Jovenel Moïse. Guy Philippe te fait déclaration dans le tribunal. Guy Philippe, nommez-nous en pile haïtien, des sénateurs, des officiels du gouvernement, des citoyens de ce pays. Il a vu demander passage à président Jovenel Moïse. Il a vu demander l'autorisation pour mener enquête sur Mounsa que Guy Philippe te nommé non. Dans quatre dossiers drogue que nous connaissons que Guy Philippe prend prison pour lui dans le moment où on a parlé là aux États-Unis, malgré qu'il était un sénateur élu. Rangez comme nous. Et ça, c'est des bagages que nous avons dit déjà dans l'émission Matin Débat. Nous avons toujours insisté sur trois bagages dans l'émission Matin Débat. Ça fait que l'important, l'on est que c'est président. Équipe communication, il faut 24 heures sur 24 à faire. Dans le comportement, dans l'intervention qu'il faut faire. Mais pas à mon. Pas même dans la radio, non? C'est le président qui a rencontré avec un monde là dans le pays. Un homme d'affaires. Son dossier X, Y. Président Capral rencontré avec l'ambassadeur Fokli, si t'as avec l'équipe communication lui, sous façon de parler articulé. Ça va gagner comme dialogue, conversation avec mon nom. Voir! Pour l'aller parler dans la radio. Donc voilà donc la situation. Donc la prétend. Et quand il y a la joue direct dans le courri, au niveau du Parlement haïtien, au niveau du Sénat, le président du Sénat, M. Joseph Lambert, le sénateur Joseph Lambert, par contre, comment on va le faire? Parce que, il y a des sénateurs là qui ont endossé Guy Philippe là. Il y a des sénateurs là qui ont endossé Guy Philippe là. Et, tout dit nous ça. Moun doit assumer, nationaliste qui va intervenir sous question, n'a qu'on est qui va intervenir. Parce que, c'est des sénateurs en fonction, que on va l'arrêter. Tout dit nous ça. Comment se préparer à argumenter nous? Comment se préparer à argumenter nous? Parce que vous allez arrêter des sénateurs en fonction. Dans le dossier drogue, dans le dossier Guy Philippe là. Tout parle, nous. Et, micro matin débat à pouvoir à disponible pour nous venir faire valoir, argumenter nous. Même qu'on est pas le grand, pile par en pile. Parce que vous allez arrêter des sénateurs en fonction. N'est-ce qu'il nationaliste, n'est-ce qu'il va le battre sous maquio, préparez-nous. Donc, mais ça, capitaine, président Jovenel Moïse. Maintenant, sous question justice là, par contre, qui ça, américain, va venir proposer? Mais les États-Unis, prennent président Jovenel Moïse au mot, parce que c'est lui-même personnellement, avec bouche pâle, à Paris, il dit que, lui force nommer des juges corrompus dans le système judiciaire. Est-ce que qu'on y a, juge corrompu que le dit le nommé, yo? Il va le faire pression sous lui. Non, mener enquête sur juge, pour mettre juge en prison. Ah oui. Débarrasser juge ça au de système judiciaire là. Par contre, si c'est ça qu'on va le faire. Par contre, c'est l'Amérique qui va lui proposer son plan là. Pour qu'on justice pour tous. Par contre, mais États-Unis d'Amérique, pour le grand président Jovenel Moïse au mot. Dans la question dossier Petro-Caribé. Nous songez, René Garçon Préval qui fait deux mandats. Et même Jean-Bertrand Aristide. Nous songez Jean-Bertrand Aristide après les élections de 2001. Tellement t'as l'impression, Jean-Bertrand Aristide t'es obligé à laguer. Même propre Zamil qui t'es guetté élu sénateur de la République. Ou Don Joasil si on a d'ailleurs. Ils vont feuiller si on a d'ailleurs. Parce qu'un politique pas un sentiment, pas un amitié. René Préval, président, il était obligé de démarquer le deuxième Aristide pour le faire deuxième mandat là. Et par reconnaissance,
Ce n'est qu'à la fin de son mandat que l'été arrivé à faire Aristide rentrer dans le pays. Madame, monsieur, dans le dossier Petro-Caribéen, Jovenel Moïse va l'objet de la guerre des mounes. Ah, le collègue, c'est qu'à parler maintenant. Dans le dossier Petro-Caribéen, Jovenel Moïse, président de la République, va l'obliger la guerre des mounes, même si c'est ses amis personnels, lui, dans le dossier Petro-Caribéen. Parce que, dans l'opinion internationale, vu que le président de la République a toujours maintenu, et jusqu'à présent, il a déposé question à Tamara Orion, question, pays a gagné 5 problèmes, corruption, 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 jusqu'à présent, son slogan. Dans l'opinion internationale, son seul bagage international a été nommé Jovenel Moïse comme signal. Qui est-ce qui va le mettre en prison dans la question corruption? Qui est-ce qui va le mettre en prison dans le dossier Petro-Caribé? Et madame, monsieur, comme je l'ai dit tantôt, en politique, pas gain sentiment. En politique, pas gain amitié. Le président Jovenel Moïse parle obligé la guerre quelques amis. Dans le dossier Petro-Caribé. Parce que quand même, gain équipe sa cabine là, 10 moun qui m'a parlé de 13 là, il a prêté en Haïti jusqu'à ce que l'enquête sa yo fini. Attendez bien, hein? 10 moun que me dit nous cap rentrer là sous 13 là gen 3 cap vini cap rencontrer président Jovenel Moïse gen 10 cap prêter 10 là a prêter dans pays a jusqu'à ce que enquête ça yo fini. Après ça et tout va bien pour Jovenel parce que depuis régler les questions ça et ben il y a plus de chance pour le faire 5 ans là. Et me pensais que je dis à tout l'ancien président Joseph Michel Martelly. Dans quatre dossiers, n'a parlé à là. Est-ce qu'on connaît que ça qui arrivé? Est-ce qu'on connaît ça qui arrivé? Que président Martelly quand même pas candidat en 2022? Même j'ai entendu Jean-Baptiste Aristide ça. Je t'ai dit Jean-Baptiste Aristide n'est pas candidat encore. Et puis le porte est bourré, ça qui passe. Coup d'État 2004. Ça qui arrive. Dans quatre dossiers, on a parlé là. Ah, mon nom. C'est de partout, bonjour. Ah, mon nom, mon frère. Vous connaissez ces âges, c'est ça qui a parlé. Mon nom. Et un acteur là, Fritz Chéri. Mon nom. Pas de coup d'État. Mon nom. Ça le kidnapping. On a des noms. Par contre, ça aurait les kidnappings. Par contre, ça aurait les kidnappings. Levé Moun. Président signé avant l'aller. Dixit, Yvon Neptune. Non, là, ou clair. Là, ou clair. Voilà, ou clair. Bon, ouais, voilà, ou clair. Parce que justement, il y a une signature. Les gros papiers que le signé, lui accepter que l'aller. Et d'ailleurs, c'est même blanc, ça, que t'es mené, monsieur, retourné après coup d'État. T'es un bon coup d'État. Ouais. D'ailleurs, monsieur, qui était là la fois dernière, et monsieur, commandant et Jodel Chamblain, lui, t'es confirmé que vraiment, il était barré ici de coup d'État. Oui, maintenant, en 94, blanc retourné les Américains. Ok? Même retourné. Voilà. Nègre l'armée américaine, mené Jean-Baptiste Aristide retourné. Et pas oublier. L'argent payé, c'est gouvernement Jean-Baptiste Aristide qui a géré de 91 à 94 à Washington. En pile l'argent. Maintenant, il retourne à monsieur, il dit monsieur, 1, 2, 3, 4, on fait tel bagaille. Sous-dicté. Maintenant, on a monsieur dit, bah, ouais, c'est où l'école, et puis le bail blanc, Il brasse Négio. Et puis, on a la trafic de drogue, il a trié, monsieur, on a un dollar, tout de suite, fait, en bas table, et puis blanc dit, pareil. Mais on peut quand même faire une douette, monsieur, dans la question de drogue. Ok? Ouais, jusqu'à là. Maintenant, la question de coup d'État, nous voulons pour tout le monde suspendre par les bails comme ça. Les Américains, ils ont mené monsieur Avini, les signés, ok? Pour bail, ils vont être une charge, ils vont être une paga québécoisea, et puis à la suite, on va faire un gros gira pour aller prendre tête pays avec Boniface Alexandre. Merci. Pas de coup d'État et pas de kidnapping. Merci, Zahi. Donc, il t'a dit, Jean-Baptiste Aristide, clairement que le pas qu'à l'élection, et bien de fait, il roulait tout le monde dans la farine, dans l'élection, et bien nous avons eu résultat en 2004. Eh bien, on monte d'un coup président Joseph Martelly, ancien président. Nous avons dit oui, que l'Igne doit pas qu'à l'élection. L'Igne doit pas qu'à candidat en 2022. L'Igne a décidé candidat, oui. L'Igne a décidé candidat. Mais dans quatre dossiers, on a parlé là. On a dit que l'ancien président Joseph Michel Martelly, il doit pas qu'à même candidat en 2022. L'Igne a supporté un candidat.
Donc là, c'est garder, n'a pas gardé pays, hein, et nous-mêmes, dans le matin débat, n'a pas analysé. Préparez-nous, comme on dit, dans le dossier Petro-Caribe, il y a une arrestation qui va le faire. Parce que le dossier n'a pas fini, je ne sais pas où il est là. Et puis, écoutez, il faut quand même comprendre quelque chose, hein. La démarche du Parlement, bien que ici on a analysé, le regarder dans l'opinion, ou est-ce que son cadeau, que, ou du moins son job que Joseph Lambert, lui-même, lui vient faire comme président du Sénat, dans l'opinion, il paraît, d'un coup, que Joseph Lambert, fidèle à son équipe, arrivé à la présidence du Sénat, garantit le balal des îles, garantit que la paix va créer le dossier Petro-Caribe. Et de fait, il évacue le dossier pour le Parlement. Mais, ne regardez plus loin. Ne n'a pas entré en profondeur dans l'analyse là. Ça pour nous comprendre, c'est que le rapport Petro-Caribe, c'est un rapport politique qui devine politisé avec l'équipe de Lavalas qui, eux-mêmes, t'es accaparé, récupéré le rapport là pour camper en face PHTK. Nous analysons. Et qu'il y a des mains de Lavalassien qui était très présente dans la rédaction du rapport. Et bien, ça quoi c'est? Parlement qui décharge le rapport. Parlement qui lave mille dans question rapport. Pas que j'aime bien mon qui comprend ça. L'idée politise le rapport. Ah, nous pas quoi ça? Nous pas quoi ça? Parlement qui décharge le rapport. Parlement qui transfère le rapport à la Cour supérieure des comptes. Arrêtez qui dit, considérant que rapport a une tendance partisane et que ce n'est pas rapport que vous voyez la Cour supérieure des comptes, c'est le dossier de Petro-Caribe qui est transféré par la Cour supérieure des comptes. Cette démarche, madame, monsieur, les dépolitiser rapport là. Maintenant, si nous voulons entrer dans la politique, on a regardé qu'on y a les juges à la Cour supérieure des comptes qui assurent. C'est vrai que la Cour supérieure des comptes font un travail technique. Mais, moun ki jodi a fait partie de la Cour supérieure des comptes, go kote yo sorti. Moi-même, pas connais, non? Mais juge qui là, ou pas aucun rapport avec Jovenel Moïse, non? Juge qui là, ou pas aucun rapport avec Jovenel Moïse. Peut-être c'est là, nan niveau ça. Ou ka ouais, peut-être que rapport dossier Petro-Caribe, de ka vin pour une nouvelle couleur politique, à partir de personnalités qui constituaient la Cour supérieure des comptes. Est-ce que vous sortez dans la Valasse? Est-ce que vous sortez dans la Tête-Calée? Est-ce que vous sortez dans Préval? C'est là. Maintenant, si nous avons un exercice pour nous faire comme auditeurs, comme haïtiens, et nous pouvons tourner avec dossier ça lundi matin dans l'émission Matin Débat, nous allons laisser regarder green by green. Personnalité, chaque monde ça y est, côté au sorti, qui sous politique, qui acquaintance politique, côté au sorti, qui est-ce qui te fait arriver comme juge à la Cour supérieure des comptes? On a regardé une nouvelle couleur politique que dossier Petro-Caribe est capable de gagner. Mais, démarche parlement pour le voyer dossier dans la Cour supérieure des comptes, c'est éliminer automatiquement toute question politique, toute tendance politique, toute couleur politique que le rapport est capable de gagner, madame, monsieur. Maintenant, c'est sûr que le rapport va le tourner encore par le parlement, mais ça va le tourner par le parlement, c'est un travail fini sur le plan technique. Et rapport Petro-Caribe, madame, monsieur, en aucun cas, dans le monde que rapport indexé, en aucun cas, la Cour supérieure des comptes pas foutu bail un avis favorable à tout le monde. Comprenez bien, hein? Et là, moi, dis nous que dans le dossier Petro-Caribe, pas d'arrestation quand même. Comprenez bien, oui? Non, moun que rapport là, indexé, non, rapport Petro-Caribe, qu'on y a devant la Cour supérieure des comptes. En aucun cas, la Cour supérieure des comptes, pas qu'à bail, yon avis favorable à tout moun sa yo. Sinon, il a tout nos joies, il a tout nos blagues. Donc, ou pas jouer des moun quand même, parmi moun que rapport là, indexé, qui va gagner arrêt de débat. Eh bien, c'est là, une fois que la Cour supérieure des comptes, bail arrêt de débat à des moun qui, dans rapport là, eh bien, arrestation droite. Eh bien, c'est message ça, oui, là, qui a vu là, je dis, à président Jovenel Moïse. Ça fait maintenant que Jovenel Moïse, comme président de la République, va obliger la guerre quand même des amis personnels, dans quatre dossiers Petro-Caribe.
Madame, Monsieur, vous suivez Matin Débat.